Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'une nouvelle perle. Là, on va passer sur un plan physique, physiologique. Un des plaisirs que j'ai eu il y a maintenant quelques années et que je continue maintenant de développer, c'est de ressentir un bien-être profond au niveau de mes organes internes, au niveau de mon ventre, au niveau de mon système digestif. Pendant des années, j'ai eu des difficultés. C'est le chat qui fait du bruit, qui débarque comme ça. J'ai eu plein de soucis digestifs et je me sentais ballonnée, encombrée, enfin vraiment pas bien dans mes boyaux. Et au fur et à mesure de pratiques alimentaires autres et puis aussi de quelque chose de génial dont je vous ai déjà parlé sur une vidéo qui s'appelle l'irrigation du côlon. De se faire nettoyer tout l'intérieur du côlon avec un circuit d'eau, donc c'est fait par une praticienne ou un praticien, c'est quelque chose de très spécial. Et je peux vous dire que ça fait un bien-être, mais alors extraordinaire. Il y en a plein qui se disent, non, mais c'est quoi ce truc-là de se faire nettoyer le gros intestin? Eh bien, testez, faites-en l'expérience, vous allez pouvoir découvrir combien ça soulage, combien on se sent léger, combien on se sent revivre finalement parce qu'on est allégé de tout plein de cochonneries qui encombrent le côlon. Et vraiment cette découverte-là, cette redécouverte-là, parce que bon, je l'ai fait il y a 5 ans ou 6 ans et je l'ai refait l'année dernière deux fois. Hein, j'ai refait deux séries d'irrigation et maintenant, c'est clair, je le ferai deux fois par an maintenant parce que ça fait tellement de bien que je n'arrêterai plus de garder comment dire, cet entretien régulier de mon organisme. Voilà, c'était cette première perle de sagesse sur la physiologie et je vais vous en partager une autre dans une prochaine vidéo. Si vous aussi, vous avez des choses que vous avez découvertes au niveau de votre organisme, que vous avez pu expérimenter avec bonheur et plaisir, eh bien, mettez-le en dessous de la vidéo pour le partager aux personnes qui regarderont. Voilà, ça pourra donner aussi des idées à d'autres personnes de découvrir certaines pratiques pour se sentir bien, pour pouvoir expérimenter dans son organisme, eh bien, des choses qui font du bien.